Oh les gars! Attendez, je recule cette merde parce que là je sens que ça va pas du tout. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, vraiment enfin. Le retour à la réalité a été brutal en fait. Vraiment, j'ai repris le travail, j'ai repris un rythme de vie approximativement normal. Et du coup, c'était trop compliqué à gérer tout ça en fait. En vrai, voilà, c'est tout. Me revoilà. Et me revoilà pour de bon, je l'espère. En tout cas, voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. En fait, j'ai emménagé, si je puis dire. J'ai pas emménagé du tout, en fait. Vraiment, je suis là pour quelques semaines à Marseille. En fait, je suis pas du tout là pour vous raconter ma vie. Hein. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais du coup, j'ai une pote qui est venue me voir. Enfin, Anaïs, vous la connaissez, je pense. Et du coup, voilà, on a fait un petit vlog à Marseille. Trop sympa. Donc, je vous partage ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Et bonne vidéo! Les gars, j'ai retrouvé ma bitches. On est à Marseille du coup, parce que moi j'ai emménagé à Marseille pour 5 semaines. Je vous ferai une vidéo comme ça, je vous expliquerai un peu ma vie à l'heure actuelle, genre ce que je fais, mes études, ce que je fais à Marseille, etc. Enfin bref. Du coup là, il y a Anaïs, que vous connaissez maintenant tous, je pense, qui est venue passer 2 jours avec moi. On est dimanche, elle repart mardi, parce que du coup j'ai mes week-ends en décalé avec le taf et tout, c'est chiant, mais bref. Ça va être très court. Donc ça va être court mais intense. Ouais. Là il est genre 15h, non 16h. On va en ville, et parce que moi je bossais ce matin, du coup elle est arrivée à la fin de la matinée, et on va en ville, et du coup on va vous emmener avec nous, on va visiter Marseille, et voilà. Mais voilà, hein. Et demain on ira voir les calanques. Bref, allez, à toutes les puces. Bon, l'autre elle a trouvé un nouveau mec. Alors, voilà, allez. Depuis tout à l'heure, on est en train de regarder le plan de la carte de Marseille. Pour savoir où on va. Et c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile. Surtout que vraiment, vous voulez aller faire des photos, coucher de soleil, nanana. Le coucher de soleil, on va pas le voir parce qu'on sera encore dans le métro, tellement les bus se mettent leur vie à arriver. Ça se coucher, c'est tout. Vas-y, là, ça me saoule. Et le mec, il doit se dire quoi, le film, celle-là, là, le chauffeur de métro. Voilà les gars, on est arrivé sur le vieux port. En plus, c'est un peu la Golden Hour et tout, c'est trop beau, je suis vraiment trop contente. Là, ils ont ouvert le marché de Noël juste derrière. C'est incroyable. Là c'est un miroir genre tu te vois au-dessus d'un miroir quoi. C'est trop beau, je suis trop contente avec ma petite Anaïs là. Elle était jamais venue genre à part quand elle était toute petite. Genre. On nous voit. Vas-y fais coucou. Et ma passion, si un jour vous voulez me faire un cadeau, achetez-moi des cactus, ma passion. À peine arrivé, on va acheter un truc à manger ou à boire. Très on a pris un petit chocolat chaud des familles. Toujours plus quoi. Toujours plus. Chocolat et huile d'olive. Trop bon. Hein? Mets un à la rose. Comme ça là. Ça sera la rose ça. Elle est pas trop mimi. Elle s'est déguisée en santon de Provence, j'adore. Regardez, je crois que ça c'est une spécialité d'ici, je connaissais pas. Mais c'est sûr même, c'est sûr. Dites-moi si vous connaissez, ça s'appelle comment déjà? Frégis, non, un chouchou frégis. Frégis, frégis. Ça fait penser un peu à... Tu sais, il y a un prénom genre... Freddy, voilà, Freddy Mercury. Bon, alors la meuf est fan de Plus Belle la Vie, mais en mode plus fan tu meurs. Et là, on a trouvé le quartier de Plus Belle la Vie, donc ça y est, elle est aux anges. Je te jure, là ils étaient là en train... Ils vas-y, ils montent, montre quand ils faisaient. Vas-y, vas-y, montre. Comme ça, ils se cachent et tout là. Et quand il y a des courtes poursuites. Oh. Non, mais alors là, on est en train d'aller au cinéma de la plèbe. On va au cinéma. Bonsoir. Il y a bien une séance pour mascarade maintenant, là, enfin à 19h05, c'est ça? Et les gars, attends, les gars. C'est quoi ce cinéma de... Il fait trop peur, j'ai mal. En plus, elle a payé le tarif étudiant. Genre, elle était là. Elle était là. Attends. Bonsoir. Bon, là on est en train de rentrer, les gars, il fait trop froid. Il fait au moins 8000, genre. Ah, là ouais, ouais. Parce qu'on a eu évidemment la bonne idée de ne pas prendre de pull. Merci Anaïs. Oh, Anaïs, comment on va se mettre sous la couette là? J'ai trop hâte. Tu sais où tu vas au moins courir comme ça là? Mais fais quoi? Hello! Ça va les gars? Du coup, mais toi de l'autre côté aussi, on te voit pas là. J'espère que vous allez tous bien, nous ça va très bien, il fait pas beau, c'est génial. Ouais, ouais. Voilà, voilà. On n'a pas attrapé froid contre toute attente. Donc ça c'est cool. Et ben là on va au calanque. On va encore une fois marcher. Voilà. Cette fois on a pris une veste.
Et genre, en gros, on va avoir des beaux paysages, on vous montrera, ça va être beau et tout. Faut que j'arrête de dire genre, parce que c'est vraiment infernal. Oui, ça va rendre ouais. Les gars aussi, hein, c'est un peu trop là. Des fois, tu le dis trop souvent. Mais non, justement, je trouve ça trop bien, c'est mon petit surnom pour mes enfants. Oh les gars, hier j'ai chanté. Oh, c'était trop bien. Hier j'ai chanté sur la place du vieux port, mais une fada, je suis. Je vous montrerai. Je vais mettre la vidéo dans mon. Sur mon Insta... enfin, sur mon... ma vidéo YouTube, quoi. Bref, allez, j'ai hyper mal au bras de vous tenir comme ça. Regarde donc, la batterie, t'as pris le chargeur. À tout à l'heure, oui. On a atterri dans une université, je sais pas ce qu'on fout là. Regardez, Polytechnique et tout. Centre des physiques des particuliers de Marseille, CPPM. Non, mais si. Des particules. Ah, des particules. Bon, bah super, écoutez. Mais hasard de dingue, comme par hasard, on se retrouve là où il y a tous les étudiants. On se demande pourquoi. Par contre, c'est sympa comme université, il y a des petits palmiers, des petits arbres et tout là. Non mais regardez-moi ces vieilles parisiennes avec leur chocolat chaud pour faire une randonnée et leur café, mais on est hilarante. Bon, alors déjà la randonnée elle est au milieu du parking pour le moment, c'est génial. On a trouvé le chemin. Et pourquoi je hurle comme ça? Même moi ça me fait mal aux oreilles quand je parle, tellement je parle fort. Attention, il y a des oiseaux étranges. Enfin là je suis un peu inquiète parce que vu le nombre de chemins, il y a de fortes chances qu'on se perde. Non mais nous on a vraiment pas compris le concept, on a une autre truc. Eux ils ont des bâtons de marche et tout. En fait on est vraiment parti pour faire une randonnée. Sauf que on n'est pas équipé. Enfin moi je suis en tenue de ville quoi. Ah oui là c'est aride là. C'est très très aride. Bon on va aller, on va prendre le chemin le plus facile hein. Mais ça existe aride. Là tu parles d'une végétation. Là tu parles de hard genre la montée elle est... Non aride. Ça peut être aride. Bah toujours nous on demande là alors que... Pourquoi il y a encore marqué 30 minutes alors que déjà c'était 30 minutes. Mais tu sais, est-ce que tu sais en réalité quand t'as des trucs de scène que t'as déjà vu, tu sais à quoi c'est dû? C'est, mais moi aussi ça m'arrive. Voilà. C'est le cerveau qui... Ouais tu sais c'est des... là. Non c'est les neurones qui se frictionnent et en fait ça ton cerveau il retarde ce que t'as déjà vu. Genre tu le revois une deuxième fois. Genre l'information elle arrive après que tu l'aies vu du coup. À tout à l'heure on est allé à gauche. Je te le dis, on suit la dame, regarde, ça a l'air d'être une randonneuse. Oui, bah justement, là est bien le problème. Parce que ça veut dire qu'elle va dans la montagne. Non, mais je te promets qu'on est arrivé de... Attends, on refait le chemin. Tac, 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 tac. Non, moi je pense qu'on est arrivé de ce côté, meuf, hein, je te le dis. Hein. Non, mais on n'est pas du tout perdu. Mais moi, je pense, dans mon humble avis... Regarde, la dame, elle vient de retourner, je l'ai vue. Elle a fait... Qu'est-ce qui te paraît le plus logique? Ah, mais il y a des panneaux! Ah, bah t'avais raison. Retour Lumini. Lumini. Anaïs, il y a des hommes qui arrivent. Oh les gars, j'en ai trop marre déjà, là il pleut, j'en peux plus. On se croirait en Bretagne. Bref, là il pleut vraiment des cordes, genre. Attends, on va s'abriter. Les gars, j'en ai marre, il pleut, j'en ai marre. En plus, on doit aller à notre rade de la garde, il pleut, j'ai envie de faire pipi, il n'y a pas de toilette. Et on va s'abriter là, meuf. Ouais. C'est quoi cette... Non mais j'en ai ras-le-bol, là. C'est quoi cette ville de merde? Oh là là, vite, 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 viens. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh non, c'est pas abrité. Merde. Merde, c'est pas un abri. Là, là, là. Ah les gars, j'en peux plus là, à force de marcher comme ça. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon alors Anaïs, Marseille. Alors Marseille, c'est très joli. Voilà, déjà mes internautes. Ah putain, j'ai les flashs. Alors c'est joli. Hein. C'est joli, genre tu dis c'est beau, mais c'est une journée de mauvais temps. Non mais on s'en fout, est-ce que c'est beau Marseille? Ouais, c'est beau, c'est super beau. Voilà, c'est beau. On veut de l'enthousiasme. Notre-Dame de la Bonne Mère, la garde, Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, très très intérieur mais incroyable. Putain, c'est un miroir. Oh, non mais c'est pas fait pour te regarder. Ah non, hein. Mais en fait, c'est plutôt là. Oh là là, mais je suis trop bête. Ah non, pas du tout. Mais non, alors, pas du tout. Vraiment pas. Mais si, je faut payer. Bon les gars, vous allez jamais me croire. Je suis au café avec... Enfin, café, je suis pas du tout au café. Je suis au bar avec... Céline. Je vais vous mettre ça dans la bio, comme ça, dans la description, comme ça, vous pourrez l'ajouter. Elle est trop belle, mais elle est en couple, malheureusement, pour vous. C'est une de mes potes de collège. J'ai rencontré en 6ème. Voilà, c'est Anaïs, on s'en fout. Je t'aime, ok. Et là, c'est Antoine, je l'ai rencontré en soirée d'inté de pas mon école. On boit des verres. Santé. Ah oui. Santé. Bon, bah, on avait faim, on est allé au Burger King.
trop contente. Regardez, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Là. Bon, ça c'est pour elle. J'ai pris des onion rings. Et j'ai pris des frites aux oignons dinguerie. T'es jaloux, hein? Ah, t'as les mains grises. Oh, mais ouais, mais moi j'adore tes mains. Oh là. T'as les mains douces. Mais ouais. Et toi, c'est chaude. Non, mais. Il arrive, le bus. Ah, Mata Carty. Mata Carty. Appelle-le, hein, Maca. Ah. Et Anaïs, tu sais ce que je, de quoi je rêve là? D'un massage. Ah, un massage, pareil. Mais tu sais, un massage, même par une de mes potes, ça me dérangerait pas, tu vois. D'accord. Y'a pas une idée qui te vient? Ben, je réfléchis au tarif là. Non, mais j'aimerais bien ce soir. Ouais, mais ça va pas être possible, c'est sur commande, y'a pas eu de réservation préalable. Même si je paye, je te jure, meuf, je paye. Que... Je suis capable de donner 5 euros pour un massage. Oh, j'ai pas écrit. J'ai pas les clés. Pousse la porte, j'ai pas les clés du portail, c'est quoi ça? Attends. Les gars, on est enfermés. Bon, attends, bouge pas, laisse-moi faire. Attends. Bon, les gars, c'est la crise atomique là. Je commence dans 2 minutes, je suis en train de marcher dans la rue. Attends, parce qu'il faut que je me rappelle où il est l'hôpital. Attendez, je suis perdue, il est où l'hôpital? Putain, il y a un kiosque normalement. Attendez, je suis perdue de ouf là. Ah si, c'est bon, je sais où je suis. Bref, je vais quitter Anaïs. Je suis trop triste, mais nous on se sépare toujours. Enfin, à un moment, il va falloir qu'on habite ensemble quoi. Parce que... Bon, là je vais travailler. Puis voilà quoi. Mais c'était trop cool, on a passé un bon week-end. On fait des bisous. Bisous. Bon, mais j'ai... J'arrive plus à parler. J'ai plus l'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Vraiment, tout. Faites tout, les gars. Envoyez de la force. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche parce que dimanche prochain, nouvelle vidéo. Soyez investis, les gars, s'il vous plaît. Plus que moi. Parce que vraiment, moi, c'est une catastrophe. Bref, voilà. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Un but oser et le mauvais rôle sans toi. Sans toi. Et nuit tombée pour ne plus jamais pleurer. Je chasse 2-3 paires de bras. Pour m'effeuiller seulement le temps d'un baiser. Pour ne plus jamais me voir sans toi. Tes chants de guerre.